Kumba a lancé hier mercredi les travaux de construction des avenues Kwilu, Kimwenza et Makala Wangata dans la commune de Kinshasa. Edith Chala. La constipation de quelques seules voies restées praticables à Kinshasa impose que la voirie de la ville soit repensée. Le gouverneur de Kinshasa, Daniel Bumba Lubaki, est sur la question et les travaux de construction des avenues Kwilu, Manzengele et Kimwenza dans la commune de Makala, ainsi que la réhabilitation de la boucle Wangata ou Soki Hôpital, s'inscrivent en droite ligne de l'amélioration de cette voie. Le bétonnage de l'avenue du colonel Ibea participe tout aussi à ces mêmes efforts. Dans son discours, l'autorité urbaine responsabilise les Kinos de Kimbo, référent des sites de travaux. Maintenant que les travaux ont commencé, vous avez le devoir d'éveiller pour éviter le vol. Mais vous aussi, vous ne devriez pas venir vous approvisionner frauduleusement en ciment et caillasse ici. À Makala, le bourgmestre a exprimé tout l'émerveillement de sa population. Avec votre avènement, nous pensons très bien que la commune de Makala sera fortement désenclavée. Nous souhaiterions d'ailleurs, il nous est apparu pertinemment loisible pour que cette avenue soit baptisée Daniel Bumba Lubaki. Accompagné de son vice-gouverneur, Eddie Yemi, le gouverneur tient à la bonne réalisation des travaux et pour cela, le ministre provincial des infrastructures et des travaux publics, Alain Chimoumou, a du pain sur la planche dans le suivi de ceci. Merci à tous de nous avoir suivis. Aimez et abonnez-vous massivement à notre chaîne YouTube Tribeca Media. Au revoir et à la prochaine.